time when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting. Nous représentons ici le Centre d'éducation populaire André Genot, donc qui s'occupe de formation, notamment entre autres pour l'interrégional wallonne de la FGTB. Et donc depuis des décennies, nous nous occupons de lutte contre l'extrême droite. Donc il était naturel que nous soyons partenaires de ce projet. Alors ce projet, il y a d'abord une symbolique évidemment, qui est celle du triangle rouge, qui a de tout temps été le symbole de la lutte contre l'extrême droite. Et donc il y a aussi une volonté d'aller vers les gens, vers tous les publics, hein, que ce soit les élèves, que ce soit le passant, la personne de la rue, pour la conscientiser au danger de l'extrême droite. Parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut refaire à chaque élection, qu'il faut refaire entre les élections, qu'il faut refaire tout le temps. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, même si, comme c'est le cas par exemple en Belgique francophone à l'heure actuelle, donne l'impression d'être divisée, d'avoir plus ou moins disparu, eh bien elle est toujours là et ne demande qu'à réapparaître. Pourquoi ? Parce que les raisons, notamment la crise économique qui pousse cette extrême droite à réapparaître, eh bien elles sont toujours là. Papa t'a dit de ne pas plier, non faut pas plier, oh non non faut pas plier, je sais, faut pas oublier, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Indépendamment des partenaires qu'on vous a déjà sans doute cités, les mouvements syndicaux, CSC, FGTB, notamment le Centre Énergie, il y a également plusieurs écoles du centre de Charleroi qui se sont manifestées, notamment, j'en oublie d'autres sans doute, mais notamment l'Athénée Vauban ici qui a vraiment apporté des centaines d'élèves pour former ce triangle rouge et on les remercie évidemment. Tu dois faire les bons choix, yeah. Le Saint-Père fera le reste, yeah.